Alors, on va donc y aller dans l'Axis pour ouvrir les deux portes niveau 100, récupérer des skills du coup. Il y en a même une pour Ringo. Donc c'est extrêmement cool. C'est quoi ça? Augmente l'XP obtenu des batailles. Bah tiens, je vais le prendre ça. Itadakimasu. J'aurais peut-être dû attendre et le prendre dans le dernier donjon, mais dans l'Axis, les ennemis sont aussi balèzes. En tout cas, pour les portes de niveau 100, je pense que ça grimpe un petit peu. J'en étais où? Bah, les requêtes, je crois que j'en ai une à rendre. Non, il y en a quelques-uns à tuer. Et ça, j'ai pas trouvé. Il y a de nouvelles directives. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en premier? Lorsque vous frappez un point faible, il y a des chances d'ajouter un démon en combo. Bah évidemment qu'on le prend. Pourquoi les humains finissent toujours par attacher de l'importance aux choses? N'est-ce pas ce qui les rend justement plus faibles? Bah ils ne décident pas qu'ils vont s'attacher. Tu vas pas voir quelqu'un et dire « Ouais, à partir de maintenant, tu comptes pour moi ». Ça arrive, c'est tout. Ça enfle comme un ballon de baudruche, tellement que tu ne peux pas l'ignorer. Et plus le ballon enfle, plus le choc est brutal quand ça éclate. T'as tout compris. Cela dit, je ne sais pas si je voudrais d'un ballon increvable en ce qui me concerne. Pas d'autre. Bon, ça, on les prend. C'est évidemment comme d'habitude, faut parler à des démons, faut buter des démons, et faut buter un démon plus puissant que les autres. Hey Vixen, como estas? Alors, du coup, ouais, quelle porte? Celle de Milady et celle de Haro. En route pour Milady. Ah, il y a deux TP les uns côté des autres. Bah écoute, ça va, Vixen. Argue. Alors, on a qui? On a Vritra. Parfait. Ça, on laisse. On peut laisser, mais... C'est un peu Chéros. On va plutôt prendre ça. Et ça... Évidemment. Bon, c'est déjà qui ce sera pour Haro. Hein. Masque de fer. Je sais que ce n'était pas le vrai, mais j'ai l'impression qu'on me force à examiner mes sentiments. Ça me rend dingue. C'est toi tout craché alors? Tu crois que tu peux supporter? Bien sûr, dépêchons-nous d'en finir. Oh le petit coquin. Comme d'habitude, j'ai oublié les affinités. Quoi changer? On va buffer un coup du coup. Je crois qu'elle... résiste glace. J'ai l'impression que je me trompe. Là, j'en ai 3 qui renvoient le feu ou 2?
Bon, il nous fait beaucoup moins mal que la première fois quand même. Allez. Bon, par contre, il a des points de vie. Hein. Et un saut. Putain, mais j'ai du bol, hein. Comme même. Ciblage, ok. Putain, j'ai encore des tutos. J'aurais peut-être dû lire. Haha. Oh, il a énormément de points de vie. Ce petit coquin là. C'est très très embêtant. Même les deux invocations, il y a du point de vie, hein. Oula, deux autres. Bon, ok. Pourquoi pas. Pour le Okazu. Je crois que celui-là est faible au flingue. Pas cette fois. Ah ouais, ils ont un cool PV assez monstrueux. Hein. Limite, ça sert à rien de les tuer. Hein. Faut juste que je m'en sers. Évidemment. Griffe divine, c'est pas mal ça, non? À tous les ennemis. Ça me plaît bien ça. どうするつもり？こいつはどうだ？もう。警戒していく。データがないな。データがないな。試してみる。遅い。これ、でも、そんなに、え、レジスターが、フルで。なんとかなんだろう。止めはしないけど。 Donc quand j'aurai trouvé toutes les faiblesses, ça sera plus simple, mais là, ça va être long. Hein. Wow, c'est quoi ça? Yaru.
Ouais. Je vais prendre cher avec ça. Lui il va survivre, je pense, peut-être. On verra. On verra ça. Ah mince, si je balance un soin, ça va pas marcher. C'est considéré comme la magie. Si ça passe. Oh parfait. Ah mais non, je m'en fous du saut sur l'eau. Il faut un truc pour les attaques physiques. Bon, au moins c'était une attaque simple. Ça coûte que 30 ça? Allez-y. Il commence à y avoir plein de monde là. Ça commence à être craignos ça. Ouais, ça commence à être vraiment chaud là. Ah putain, je peux pas faire la conversion maître en plus. Je suis dans la sauce. まだ行けるな。まだ行けるな。長期戦になりそうだよ。行こうか。こいつはどうだ。 Putain, mais il est incroyable. Après, ils font pas très mal, mais... Bah, sauf quand ils ont la charge, évidemment. Alors, qui craint quoi? Lui, on sait pas. Le vent, peut-être. Lui aussi sans doute, mais là il a un buff. Et lui on sait pas. Alors... On va faire ça. Est-ce qu'elle va rester sur Ziodin? Oui. Lui, oui. Du feu, très bien. Oui.
Ça, il doit résister. Ils ont pas les mêmes résistes quand même que d'habitude en fait. Faut que j'arrive à faire un super combo en fait. Ah mais si à chaque fois ça buff. J'ai pas terminé. Hein. Ça coûte cher ça. Qu'est-ce que ça fait ça? Deux faiblesses. Et c'est l'autre qui va soigner. J'espère que je me suis pas loupé. Mais crains pas la foudre non plus. Il est trop long ce combat. L'autre avec H était quand même beaucoup beaucoup plus simple. Non, si je fais ça, c'est pas bon. Je crois même que j'ai fait une connerie. ガラオキ。ここはあなたに任せるよ。必ず勝とう。予想外の展開ね。ここからだろ。まだこれまで。時間はあるよ。じっくり攻めよう。ああ、いや、レジスタント。やってみるか。 後悔したのはそれ。容赦しないわ。攻撃だ。踊りたまえ。やるがないよ。 Bon, faut que je passe l'autre. En soigneur. Il faut que je trouve le bon soin. Où est-ce qu'il est?
Sommeil, cool. En plus, il avait une charge, l'autre. Si je me trompe pas. Bonne nuit, Mona. Ah putain, elle m'en a flingué un. C'est chier. C'était pas du tout le bon moment. Par contre, ça tombe quand même assez bien. Bon, même si ce sera pas le plus optimal. C'est tout. Oh, putain, je vais manquer de PM là. C'est chaud pour ma poire. Lui, il résiste toujours. Salut Nanatoro, comment ça va? Enfin, il reste un bon tiers quand même. Hein. Et je commence à manquer de PM sur deux persos. On va voir. Il y en a un qui va donner à l'autre, je crois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça. Ça va en virer deux, mais ça m'arrange pas. Est-ce que j'ai un truc qui rend tous les PM? Là j'en ai un qui rend 80 PM pour tout le monde. Ah ça, Fiole Chakra. Bah voilà. Je peux me le permettre, je crois que ça s'achète ou ça se trouve de toute façon. Et j'en avais trop. Parfait. C'est tout? Quelle bande de rats. Comment ça faible? Bah non en fait. Je réfléchis. Il doit craindre la foudre en fait, mais je crois que ça reste quand même plus efficace. Ah, trop bien. Évidemment, ça, il en a que faire. Ah,
Allez, on y est presque. Ah, je vais peut-être pouvoir le tuer avant qu'il fasse son coup avec sa charge. Ça serait bien. Non, je vais pas faire ça. J'ai envie de tuer l'autre. Il a réduit ses invocations, on dirait. Ouais. En tout cas, c'est le combat le plus long que j'ai eu jusqu'à maintenant. Ouf, putain. Ah mais non, deux persos, ça le fait pas du tout, ça. Ah, impeccable. J'ai un peu de chance. À la fin, j'étais un peu dommage quand même. Bon, j'aurais pu raise, mais... ça m'aurait obligé à rien faire pendant un tour, quoi. Non, non, c'est pas du tout la fin. Je le finirai pas ce soir. Ah si, il invoque toujours. Bon, du coup, on s'en fout, mais... mais il invoque toujours. Histoire d'être sûr de le finir. Purée, j'ai dû passer pas loin d'une demi-heure dessus là. Persona.
今のは、あなたの未来。予測演算の元となっているのは、あなたの過去と、私と出会ってから同じ時間を過ごしてきた現在。そこから論理的に算出された未来が、像を結んだということ。え？未来？私の？ってこと？板についてたね。 悪の女幹部。<笑>D計画だって。もしかしてCの次だからD？<笑>ちょっと微妙じゃない？センス。やめて。<笑>よ、鉄仮面。やめて。何にせよ、あなたの未来も大丈夫そうだね。心配だったけど。 でも私のことだから、何しでかすかわからないわよ。どうする？今のうちに止めておく？まさか。このビジョンが何を表しているのかはわからないし、ビジョンはあくまでビジョン。未来の意味は過去になってみて初めてわかるものだから。でももし、あなたの未来が私たちの未来とぶつかり合うのなら、 その時は手加減しないからね。<笑>お手柔らかに頼むわ。だけどね、ミレディ、これはどうしてそう言えるの？だって今のミレディが出した結論でしょ。私たちと一緒に過ごした時間、その積み重ねから導き出された未来だもの。仲間ね。 Alors, nouveau skill. Mmh. Ouais. Ah, il y a deux trucs qui m'intéressent. Soit ça. Soit ça. Bon, on va prendre ce truc-là, évidemment. Un démon au combo supplémentaire. Bon, pas à tous les coups, mais il y a des chances. Dis, Milady, j'ai remarqué que quand tu mentionnes le masque de fer, enfin Paul, tu as toujours les yeux doux et dans le vague. La ferme. Mais si tu te permets de montrer tes émotions comme ça, c'est parce que tu commences à me faire un peu plus confiance? Je me suis juste habitué à ta présence, c'est tout. Et tu es tellement casse-pied avec ça que je n'ai plus la force de te le cacher. Si tu le dis. Elle est bien mal élevée. Donc c'en est terminé, hein. Des flashbacks ou de l'avenir de Milady. Maintenant, c'est que du bonus pour les compétences. Mais on va quand même nettoyer l'étage. Vu qu'ils ont l'air assez courts. Et de toute façon, ce soir, j'aurai pas le temps de faire celui d'Aro, le boss. Mais la semaine prochaine, on pourra le faire et finir le jeu. Parce que du coup, ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Y a pas de truc vis-à-vis du scénario, tout ça. Arrête de chercher des excuses, gars. Tu les as tous laissés crever dans Mass Effect parce que t'es nul, c'est tout. Sauf que toi, tu streams pas pour qu'on puisse le voir. Ou plutôt, ne pas le voir. よし。一気にやっちゃえ。あいつには効かないよ。お腹空いたよね。動くな。仕留めたぜ。これじゃ賭けにもならねえな。ハロー。 Pas envie de sortir. Dommage, je l'avais pas. Mais je l'ai fait Mass Effect, gars. T'es toujours persuadé que je l'ai pas fait, mais je l'ai fait. Et comme je te l'ai dit, c'est pas mon truc en fait.
T'as juste pas l'air de vouloir l'accepter en fait. J'ai joué à deux Mass Effect, le premier et l'autre dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas le deuxième. Si, je l'ai fini. Encore une fois, je sais pas ce qui te fait dire que je l'ai pas fini. C'est vrai que je l'avais pas précisé la dernière fois, mais si, je l'ai fini. On va voler un objet. Quand tu stream, on peut voir que t'es nul, alors que faire une vidéo montée, c'est mieux. Bah, ça dépend si tu coupes ou pas, quoi. T'as coupé combien de passages dans Xenosaga, Nanatoro? Moi, j'aime bien laisser certains try, quand même. Quand il y a plusieurs essais, c'est quand même sympa de voir certains essais. Pas toujours, faut pas non plus que ça dure 3 quarts d'heure d'essai. Parce que ça n'a aucun sens de mettre une vidéo de... Comment dire? D'essai sur un boss, à part si c'est un truc genre Sekiro, c'est comme ça quoi. Zéro passage pour le moment. Ah, demi-tô. Tu m'as dit que t'avais pas arrêté de crever sur un boss. Ah, tu manques comme un arracheur dedans, toi. Ok. Ah, c'est un peu moins bordélique que l'autre étage. Et c'est pas plus mal. Hop là. J'ai recommencé le jeu avec un son meilleur. Ah oui, c'est pour ça. Je suis peur. Je suis sûr que Nana utilise encore les action replay, purée, ça date ça. J'en ai encore un sur GameCube. En fait, je m'en servais pour... Putain, pourquoi déjà? Je crois que c'était pour jouer à Resident Evil 4 en version américaine. Que j'ai toujours aussi, d'ailleurs. Vu que... Enfin, c'est pas vraiment un action replay, je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être bien que si. Mais en gros, ça permet de bypasser le... Comment dire... Le zonage. Par contre, je sais plus comment on s'en sert. Il me semble qu'il faut mettre la galette et au moment du loading, faut changer. J'en ai deux, un pour PS1, un pour PS2. J'en avais un sur Super NES aussi. Je sais plus où il est. Bon, lui, je l'avais déjà. Le seul que j'ai encore, c'est un Action Replay Mega Drive. Ah, je vois pas du tout à quoi il ressemble sur Mega Drive. Putain, ça part trop vite, ça. Putain, c'est trop bien. Ça devrait rester jusqu'à la fin du donjon, en fait. Mmh.
Autant ceux-là sur SMT5, ils étaient vraiment bien, même complètement abusés. Et sur cet opus, pas vraiment. Je suis sûr que c'est vendu une blinde maintenant, les action replay. Surtout ceux qui te permettent de dézoner, je pense. Il y a de grandes chances, ouais. Putain, mais je dois être grave riche là. 7 millions. Bon, ça va partir très très vite. Ah putain, j'aurais pu l'avoir là. Pas grave. Je m'amusais à recorder Shining Force 2 avec. Comment ça? What are you talking about? Ah, j'avais pas vu la plus de toute PM, Milady. Zut alors. C'était pas prévu ça. Yes. 7 millions, tu vois, Tox, tu n'as pas besoin de mon prime alors. Si, si, vas-y, prends un prime, enfin, prends un truc de niveau 3. Plein de sous-sous. Ah, pas à recorder, à recoder Shining Force. Mais tu codes pas. C'est l'action replay qui code. Ah mince. On a ramené ici. Là, j'ai vraiment récupéré plein d'objets quand même. Hein. Ah, il y a deux TP qui mènent au même endroit. Putain, mais c'est une arnaque ce donjon encore. Ah, tu m'étonnes, embuscade. C'est pas fou ça. Il craint quoi d'abord? La glace, très bien. Haru, il va faire le boulot. Mais non, j'aurais dû le taper. Je me suis dit, ça va suffire. Quelle erreur. Bon, l'étage est quasiment fini, je pense. Faut juste que je prenne le TP du haut, du coup. Ouais, ça va me mener devant la porte à tous les coups. Qui doit être la 125, je pense. Hein. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Très bien, mesdames et messieurs, je l'avais annoncé, le live serait court, enfin il est pas vraiment court, hein, il est comme d'habitude 3 heures, mais que je finirais assez tôt
en termes d'horaire, tout simplement parce que demain je me lève très 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 tôt, je crois 5h du matin, tout comme ça, et que j'ai encore plein de trucs à faire comme préparer mon sac et coder évidemment les rediffusions pour les placer cette semaine. Du coup, je suis pas là pendant une semaine pour ceux qui le savent pas, je reviens donc mercredi très tôt en matinée, donc je vais certainement live le soir même. Pour finir sous la Curse 2, l'idée c'est quoi? C'est de faire la partie d'Aro avec l'Axis, puisqu'il y a juste un boss à buter, et on va voir entre guillemets son futur possible. Et ensuite on bouclera le jeu, je pense qu'il y a largement de quoi le faire. J'ai plus de requêtes, a priori il y en a peut-être une, je la bouclerai en même temps. Bref, le jeu sera quasiment fini à 100%. Faudrait faire le compendium à l'occasion, je le ferai peut-être, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je dois être à peu près à 60% de celui-ci. Bref, on se dit la semaine prochaine pour ceux qui seront là. A bientôt pour les autres, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne semaine. Allez, ciao, bye bye!